Faut que je passe pas. Si. Ah, mes côtes. Cette main, j'ai appris le mot. Ah merde, c'est quoi, c'est... Oh putain, c'est le téléphone. C'est bon, il a rien fait. Oh, c'est bon. Ah, faites gaffe les gars. On a fait un retour celle-là. Ouais. Faites vraiment gaffe au sol là. Ah, c'est là le truc. Ah, c'est le... C'est aussi le créneau. Le créneau de l'entrée de... Le véhicule. Des latrines ? Oh, je pense. Pas non. Ah ouais ? Non, c'est pas des latrines. Non, c'est chiotte. Si ? Chiotte. Ouais. Là, c'est peut-être des douches, mais je vois pas de d'allô ou ça. Wow. Là, ouais, c'est des toilettes. Wow. À la turque. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ouais ! Plage d'observation. Il y a un périscope, là ? Non, je vois pas trop. En tout cas, ça poste deux opérateurs, t'as vu, il y a deux fauteuils. C'est hyper poussiéreux par contre. L'entrée des plaisirs. Ah, ils ont derrière le wagonnet, dommage. Alors celui-là, il est énorme, donc prenez bien les repères les gars. On n'allait pas se paumer là, ce serait dommage. Salle des machines, des filtres, pardon. Filtre à charbon. La machine d'un 1 ou 2 pour la. Ouais. C'est énorme. Cette pièce, elle est plus petite. T'as froid ? Ouais, ouais, il fait assez frais. Je dirais que... Par expérience, je dirais qu'il fait 10 degrés. Alors regarde la porte, la taille de la porte. Wow, non, tu peux pas la planter là. Elle est monstrueuse. Ça me fait un bloc, ça, c'est obligé. Waouh. Oh. C'est une machinerie. Ça descend encore là. C'est plein de flotte. Hein. Il y a encore neuf, tu as vu. Regardez.
Si t'as un. Ouais, là, les ampoules sont encore. Elle aussi. Sans quoi il va de partout en fait. Ça monte, ça donne la toile à caoutchouc. Qu'est-ce qu'on fait, on suit le petit bloc là? Ouais. Je suis orange. Donc d'accord, c'est la machinerie de l'ascenseur là. Bon, on va pas le prendre. Hein. Eh ben, vas-y. Non, c'est bon. Non, c'est pas arrivé encore. Il y a une chambrée. Il y a des plus. Ouais, certainement. Tiens, le gaz. Donc là c'est stock de munitions, donc il va y avoir un mortier. Alors je sais pas si ça a un code couleur normalisé là, parce que le jaune, normalement c'est le gaz. Waouh, c'est les mortiers. D'accord, ça c'était pour fermer. Ah, il y a une échelle. Point d'observation qui est juste au-dessus de l'ouvrage, celle-là. Joli graffiti là sur le mur. C'est une citerne de je sais pas quoi, certainement de. C'est du fioul. Est-ce que c'était ça, cette police? Quoi? Le problème c'est que j'ai hauteur. Je pense. Vu ce qu'on a monté, j'irai une 10-15 mètres. Est-ce qu'il faut la cavale ou pas? Non. Il faudrait que je voie par le garde-fou. Il y a plein de crottes de chauves-souris là-dessus. Bon, du coup, on va redescendre. On est venu par là. On va poursuivre l'exploration. Donc là, sachant qu'on est juste au début. L'entrée est là-bas, Tony. Tony pensait qu'on s'était pas mis de direction, mais il a un sens de l'orientation un peu spécial. C'est notre GPS à l'envers.
On dirait un magasin munitions ou peut-être un atelier, regarde. De la ferraille, des portes, de la boulangerie par terre. Ah, là, c'est les cuisines. Sans hésitation. Ça ressemble le casse-boîte. Ah, c'est cool, là, on est maintenant c'est un peu plus organisé. Là, on a Tony qui est le photographe officiel. Donc, les photos que vous pouvez en trouver sur le compte Insta et Facebook, bien sûr. On les balance à chaque sortie, hein. Enfin, juste après quoi. Ça arrive déjà avant la vidéo, parce que la vidéo vient beaucoup plus tard. Puisque bien sûr il y a le montage. Plus les vidéos qui sont déjà programmées. C'est beau. Ah oui, c'est bien balèze, ça va. Franchement, elle est grande, cette cuisine. Elle est grande. Elle est énorme. Hein. Elle est bien, Elles sont plus petites que ça, toutes celles qu'on a vues. La meilleure cuisine, c'est la gazelle. En qualité, oui. On remet sur ce cul. Vous vous sentez ou quoi? Il y a peut-être avec lui. Attends, on le faisant rouler peut-être. Il a un essieu pété, non, c'est bon. Je crois que c'est bon. Hein. Ah mais il y a ça, il va dérailler. Il serait bon, mais avec la plaque là. Voilà. On a lassé les machines, les gars. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors les moteurs, franchement, ils sont monstrueux. Je n'ai jamais vu de si gros. Regardez-moi ça. C'est monstrueux. Ah, sans déconner, je dis pas qu'il n'y a pas plus gros. Enfin, moi, du moins, au cours des explorations qu'on a pu faire, j'en ai jamais vu d'aussi gros. Quoi. Et autant d'ailleurs. Une belle batterie là. Il y a du pétard ici. Hein. Écoutez, moi, c'est vraiment une belle petite bête. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, tout droit ou on bifurque? On bifurque et on continue après là-bas. Donc, en sortant, sortie à droite et retour d'exploration à gauche.
Donc là, ça aurait été cool d'avoir un wagonnet pour gagner du temps. Ouais, c'est électrique. Ouais, c'est électrique, c'est très bien. Entrée. Trop des tours ici. Ah oui. Avec des tourelles. Ah, c'est sympa ça, la mort t'attend. C'est rassurant quoi. Ah, bah ça y est, un pentagramme. Ouais. De faire une bonne centaine de mètres ce tunnel. Hugo. Il y a plein de trucs écrits. Bah moi je l'ai plus parce que entre la mort t'attend. Ah, il y a plus d'écho là. Ouais, ça c'est quand même net. Ouais, c'est... Ouais. Un petit peu, mais. Si tu me dis qu'il y a un passage là-bas, je rigole. On fera un retour, ça on va structurer, on continue sur la lignée, sinon on va se paumer les gars. Ah ouais, quand j'ai dit 100 mètres... Attention, allée centrale hein. Je vais voir là, si ça va loin encore, mais... Oh punaise. Ça continue encore. Attention hein. Ah, il est monstrueux celui-ci. Ouais, quand t'as des portes blindées, finalement ça protège les canons toujours. Ouais. Tiens Tony, t'es déjà passé là apparemment, en 2013. Ah oui, je suis là. Ouais, bon. Là on a du filtre, t'as du charbon, ils ont été vidés les filtres. C'est du charbon. Ouais. Donc là ça monte. Ouais, il laisse à des yeux, je passe en éclaireur. Faites gaffe hein. Ah ouais. Oh ouais. Ah bah non c'est bon. S'il a ses plafonds ça va, il y a 10-15 mètres comme l'autre. Par contre l'escalier il est en piteux état. Ouais, moi je serais pas là. Je laisse pour le contre. Moi si vraiment vous le sentez pas, on n'y va pas. Le but c'est de rentrer vivant, de sortir notre vidéo pour pouvoir en profiter, se régaler avec. Si on décède, la vidéo sortira jamais, puis on sera plus là, puis tout s'arrête. Je sens pas les escaliers, ils font 2000 mètres, le truc c'est craqué partout. Ah, ouais, c'est tac là, t'as la ferraille apparente, la ferraille bouffée. Il y a des morceaux qui sont pas tombés par rapport, parce que celui-ci, cet ouvrage, il a pas été bombardé. Donc l'escalier se désagrège de lui-même, donc c'est, ouais. Bon, vous le sentez pas, c'est un signe, on va pas assister. Allez. Ça germe. Ça germe. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est le béton qui est bouffé. Alors c'est con parce que j'aurais aimé voir ce qu'il y a au bout. Mais attends, autant t'as pas le temps de le voir quoi. Mais bon, regarde. Allez, on va rester sérieux. D'où les règles de base, hein, quand j'ai toujours que l'exploration c'est extrêmement risqué. Voilà, le but c'est de ne pas y laisser sa vie quoi. Hein, quand on explore c'est pour le plaisir des yeux, le plaisir de la découverte. Si on est mort, il n'y a plus de plaisir. Ouais, gauche, à gauche. On va aussi. Pourquoi tu prends l'intérieur ? Ouais, c'est extrêmement blindé cette fois. Ascenseur, escalier. Lui, je crois que j'ai reçu. La flotte. Attends, je continue dans la ligne, après on le fait, on va voir pour l'escalier. WC. Encore des filtres. T'inquiète, tellement de choses à voir, on va essayer de voir vraiment l'essentiel quoi.
Tout ça pour un vaisseau turc. Avec une porte blindée. Ouais. Vous avez vu quelque chose? Ah. Ah ouais, c'est... J'adore, c'est hyper rassurant de voir ça. Ah ouais, c'est facile. Par contre, c'est sorti. Il y a une sale gueule aussi, hein, mais bon, celui-là, il est, ouais, il est un peu plus soutenu par la ferraille. Moi, ce qui me fait moins confiance, vous voyez, c'est quand vous voyez ça, là, ah ouais, le travail des murs. Ça, c'est quand il y a une poussée sur les côtés ou une poussée verticale, c'est-à-dire que le mur s'est fait sur lui-même. On va essayer de pas faire de bruit, de pas faire vibrer. Ouais, alors, ça, c'est le mur qui est tombé. C'est haut. C'est immense. Ouais. C'est tendu quand même. Ouais, on va redescendre. Non, c'était quand tu fais tout ça. Je sais pas si j'ai la balle. Ouf. Là, c'est moi qui le sens pas, celui-ci. Allez, là, tu vois, regarde. Tu vois les garde-fous sur le côté? Il y en a un qui est plié. Je sais pas si ça se voit, la GoPro, si je cadre bien, mais... Il y en a un qui est plié, il s'est pris une caisse du haut. Une caisse du haut, ou c'est la pression exercée par le poids du béton sur la ferraille, regardez. Et là, la ferraille est bon, on va faire le con. Donc là, pour une fois, c'est moi. Habituellement, je suis un peu moins bridé qu'eux. C'est-à-dire que j'ai tendance à être un peu plus en danger qu'eux. Et là, c'est moi qui ai peur. Et j'ai rarement peur, hein, et si vraiment j'ai peur, c'est que c'est pas bon. Donc là, c'est moi qui prends la décision pour le faire. Un CD. Donc là, c'est sur la gauche. Ouais. Qui c'est qui veut se faire plaisir? Vas-y, pousse d'abord, voir si ça roule. Vas-y, mets la patate. Tu arrives? Tout d'abord. C'est bon, il est venu. Au top, par contre j'entends plus rien. J'ai plus de tympan. Laisse-le. Au revoir, bye bye, merci pour le voyage. Alors par contre, là, je suis en train de me rendre compte qu'on a peut-être fait les cons au niveau des vibrations. Parce que quand on voit l'état du béton là-bas. Faut un petit plaisir. Ouais. Alors, arrivé là-bas, on se recentre, on essaie de se recadrer, de se resituer dans les lieux là, parce que c'est un peu confus là. Bon, j'ai noté sortie à droite et poursuivi l'exploration sur les gauches. Donc là, on a passé deux sas. Normalement, ouais, c'est les flèches rouges, c'est la sortie. C'est le randonnée. Ah oui. Rando découverte. J'ai la voix qui part en cacahuète. Voilà, c'est bon. On est arrivé au bout du tunnel, les amis. Au bout du tunnel, premier degré. Il n'y avait pas de second degré. Ça me porterait un peu la poisse, là. Ah, là, je vois des gens de lavabo. Donc, c'est les chambres. Ah, ben, elles sont énormes. Hein. Alors, je sais pas de combien de personnes étaient composées l'équipage.
Mais à mon avis, il va y avoir énormément d'effectifs. Donc on n'a plus les lits, bien sûr. Je vais partir à la ferraille. Par contre, on a toujours les petites tables. Donc là, on a déjà deux chambrées. Waouh! Ah, c'est des trucs que t'avais vu sur le plan. Oh, c'est énorme! Alors là, on a déjà fait deux chambrées, les gars. Deux. Là, on a une troisième. Alors, quand c'est des petites chambrées comme ça, je pense que c'était les gradés. Officier, ouais. Attends, c'est pas ici. Donc, deux plus une petite, trois. L'équipage devait être énorme. Tiens, il y en a qui arrivent à marcher sur le mur ici. Donc là, je crois qu'on est revenu sur le couloir. Les gars, c'est la lumière du jour là-bas que j'aperçois? Ouais, c'est la lumière du jour. D'accord. Alors. Attendez, on reprend là-bas, je vois, on n'est pas allé sur la droite. Si jamais vous voyez une fresque sur un mur, c'est une fresque qui a été peinte par un soldat. Donc on est venu par là, on continue là. Dites-le moi, parce que j'ai un ami qui aurait aimé venir ici pour voir cette fresque spécifiquement. Donc il a... Qui n'a pas pu, par manque de souplesse par rapport à son âge, on est plus jeune que lui, et il n'a pas pu rentrer. J'aimerais lui faire découvrir cette fresque. Donc là, je pense qu'on est sur le PC de commandement, les gars. Là, il va y avoir les maps, les tableaux avec les maps. Donc les cartes des environs, avec les points stratégiques, les ouvrages de l'entour. C'est monstrueux quand même. Donc ça c'est les paillasses, non on les a pas vus celle-là, c'est pas celle, mais je pense que ça rejoint le couloir central. C'est immense. Là, on est sur des latrines. De belles portes ferraillées quand même pour les latrines. La fresque? Sérieux? Oh là là. Eh bien voilà. Je pense que c'est celle-là. Alors, c'est un peu drôle 2 secondes. Il y a un petit détail qui est drôle 2 secondes. Maintenant, ce qui est moins drôle, c'est que ça c'est magnifique et ça a été saccagé par un abruti. Voilà, ça m'a fait rire 2 secondes parce que sur le coup c'est rigolo, mais c'est complètement débile, c'est être abruti d'insacrer une œuvre comme ça. C'est vraiment magnifique et ça a été peint par un soldat. Donc Jean, c'est pour toi. Voilà ta fresque. Alors je sais pas si c'est celle-là, je sais pas s'il y en a d'autres. Donc si c'est celle-ci, ben voilà. C'est pour toi Jean. Allez, je vais prendre une petite photo pour l'immortaliser en même temps. Hop là, on va se mettre en grand angle. Hop là, merci les gars. C'est beau. Bon, ça c'est check. Une petite marche, tu l'avais pas vu? J'ai vu la marche. Alors ça fait plaisir de voir ça. Hein. Ami plombier, ça va vous en dire quelque chose, hein, ce fameux siphon. Alors lui, il avait sa piole ici? Non, il n'y a pas de trace de lit, juste la table, je parle parce que...
Ah, cette petite piole à côté des sanitaires, c'est pas cool. Enfin, c'est un côté pratique, mais bon. C'est pas la meilleure place. Donc là, du coup, on va rejoindre l'allée centrale. Puis on va continuer l'exploration. Alors non, c'est pas l'allée centrale. Les gars, c'est pas l'allée centrale, hein. Ouais. Ouais. Alors, j'espère juste qu'on s'est pas paumé là, parce que j'ai plus de notion. C'est là. Attends, on dirait, mais non, c'est pas là, Tony. Alors là, il y a deux poses de portes monstrueuses. Wow. Ça, c'est le bloc 3. Alors là, c'est l'aventite, ça, hein. je le dis, les gars. Grosse citerne. Hop, machinerie. Il doit y avoir un sacré ascenseur là. Ouais, il est là. Tiens, photographe, si tu veux voir, là, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Ça va te faire plaisir là-bas. Donc là, c'est le système qui permettait d'orienter les wagonnets, là, vous voyez. Vous pouvez tourner le wagonnet pour lui faire prendre une direction par là, soit par là-bas, soit par là-bas, soit pour tourner sur l'allée. Donc là, ascenseur conséquent. Vas-y, il y a un fusil en bas. c'est une douille d'obus là-bas? Non, c'est une bouteille de gaz. Ah oui. On va faire gaffe là. Donc ça, c'est le plus gros bloc, c'est ça? C'est le bloc 3. Bah, le bloc 3, il est pas beau là. Ouf. Oh putain. Oh. Alors là, les gars, je vais essayer de mettre un éclairage supplémentaire. Si vous pouvez mettre un renfort de lumière, là, juste que je montre. L'ascenseur, en fait, il est massacré, il est complètement écrasé, regardez. Il y a du ferraillage et du béton. Tombé de le câble est arraché et tout quoi. Oh, alors je vais rester en bas, hein, je m'aventure juste là, je vais essayer de faire 2-3 mètres de plus. C'est chaud patate quand même, hein. Oh, regardez les IPN tordus là. Oh, oh putain. Je vais essayer de voir. T'es là. Oh, c'est hyper haut. Alors là, les gars, là, je crois que les 40 mètres, ils y sont. Hein. Hein, les 40 mètres, ils y sont. Hein. Là, du coup, je peux apercevoir, là, je vois pas la fin. Là. C'est un péché parce que c'est le troisième bloc qu'on peut pas faire. Je me tâterai d'y aller, là, mais. Machine arrière. Ah putain, ouais, les ferrailles là. Ouais. C'est rare ce que je fais, les gars. C'est d'habitude, je vais toujours jusqu'au bout. Là, c'est la troisième fois là que je me désiste. Enfin, deux fois moi, une fois la team. Oh, allez. Allez. Je suis père de famille. Je vais essayer de pas faire l'abruti, tant pis. Ça fait chier, c'est avec regret là que je vais pas le faire, mais bon. Désolé les amis, hein, si j'ai certainement dû en décevoir parmi vous. Alors, on est venu par là, nous? Non, la lumière, c'est ce qu'on avait vu en sortant tout à l'heure. Mais on n'est pas venu par là, regardez. Non, ça, là, c'est le pont-levis. T'es sûr? Oui. On a bouclé l'ouvrage là? Ouais, ah oui, on a fait ça. Sérieux? On a ramené les blocs, c'est pas ça. D'accord. Ah voilà, alors là c'est bien la première fois que j'ai pas de notion. J'ai été perturbé par la fresque, certainement. Et j'ai pas une notion
de repérage. Là, regardez le sol. Non, on dirait que c'est fait pour. Non. Non, non, c'est pas fait pour. C'est bien été relevé. Quant à ça, c'est les parois. Les parois qui se rapprochent, ça bouge, ça travaille. C'est pour ça que là-bas, ça s'écroule. Oui, c'est bon, il y a le wagonnet, ça va. Ok. Bon, ça va, il est pas monstrueux, en fait. Il est bien grand, mais pas monstrueux comme je le pensais. Ah, je suis déçu pour les blocs, hein. Ah, ça a l'air solide. Oh, punaise, ouais. C'est la première échelle de la sorte que je descends. Donc apparemment, d'après les inscriptions sur les murs, il y aura une sortie ici. Enfin, certainement une sortie de secours par un créneau, je pense. Je pense que la sortie, elle serait par le conduit. On va voir. On va dehors. Ça vibre, c'est fou. Comment les films là quand ils s'échappent par les conduits d'aération. Oh putain, ça fait mal aux genoux là. J'essaie de me redresser pour pas faire un quatre pattes. Hop là. Entrée bloquée, n'allez pas plus loin. Alors, c'est quoi ? Ah ouais, d'accord. Ça a été boulé, je pense. Parce que bon, ce conduit menait bien, c'est une aération ou une extraction d'air, je sais pas, mais peut-être une extraction des gaz ou j'en sais rien du tout, des gaz échappants, je veux dire, du moteur en dessous, je sais pas. En tout cas, effectivement, c'est bloqué. Donc, dommage.